actually. I knew, I have a friend who now passed away, Jean-Paul Dolé. He's a philosopher, and he invited me one evening, and his book was lying there on his table, and I saw the title, and I was already shocked by the title. Et comme cinéaste, j'avais besoin de cet appel, j'avais besoin de ce signe. J'étais vraiment au point où ce signe-là allait me faire du bien. Et donc, j'ai demandé à la FIDH, les droits de l'homme, à la Fédération des droits de l'homme, de me présenter Stéphane, parce que je ne le connaissais pas. Et ils m'ont amené chez lui. Voilà, donc on a été le rencontrer chez lui. And so, as a filmmaker, I actually really needed this this signal, this kick, to get me going. And later on, I asked the International Federation of Human Rights to introduce me to Stéphane Hessel, and this is how we met. Donc, je lui ai dit, voilà, je voudrais faire un film d'après Indignez-vous. Et donc, on sait très bien que Indignez-vous, il fait 26 pages, à peu près, je ne sais pas combien, c'est pas un film. Donc je lui ai dit, mais je vais faire la continuité du livre. Je vais faire vous aussi pour la télévision Arte et aussi la continuité du livre. Mais je ne savais pas que les indignés allaient exister. However, so I told him that I wanted to make a film from this book, knowing that this was not a film script, it's a booklet of about 20, 30 odd pages long. But I wanted to do the sequel to make it continue its life for him, but also for Arte. And of course, I did not know anything about the Indignados, this movement which started later on. Donc c'était en janvier, début janvier, exactement le 5 janvier. Voilà. So the birthday of this film was the 5th of January 2011. Stéphane Hessel, we would like to know, what did you think about the idea when Tony Gottlieb came up and said, I would like to make a film of your book? I did not know that this marvelous cinema producer, this genius in cinema, Tony Gottlieb, would be interested in my little book. My little book had an extraordinary success all over the world. But I did not realize how strongly it hit on certain groups of people. And now that I've seen this film, I am amazed. I did not realize that in Spain, in Greece, in other countries, there was this movement. And the way this movement was felt by Betty, the way in which she joined after having had all sorts of expectations, not knowing where do I go, how are these people, and she always said, it's all right. That for me is the greatness of this film, because of the way she carries it and because of the way it has been filmed by Tony. And this is a movement of hope. We can feel that if all people go ahead and do these then finally we shall have democracy. Mama Betty, how did you experience the film journey? And how was the shooting? Was it very spontaneous? Did you do a lot of spontaneous work with wherever things happened in the street? How was it for you? Avez-vous vécu l'expérience de ce tournage et aussi tout ce qui se passait autour de vous, puisqu'il y a eu pas mal d'improvisation? C'est une expérience humaine qui m'a assez marquée. C'est vrai que c'est la première fois que je vois le film, et c'est vrai que je suis sous le coup de l'émotion, parce que ce film, malheureusement, il traduit la triste réalité. Le rôle que j'ai joué, et à travers moi, on a découvert toute la souffrance de ces personnes-là. Et aussi, qui réclament une justice sociale, qui cherchent une toute petite place dans ce système où il y a quand même beaucoup
d'indifférence, il y a beaucoup de maltraitance, il y a beaucoup de, voilà, d'injustice en tout cas. Et c'est un film qui me touche particulièrement parce que c'est un film qui dénonce tout simplement la réalité, c'est pas de la fiction. Et voilà, là à ce moment je suis très très touchée et voilà, je ne me suis pas encore posée justement. Voilà, c'est une expérience humaine formidable et je suis très fière de... C'est pas drôle de se voir quand même sur l'écran, on est tout petit. Mais c'est une réelle expérience en tout cas. Et je pense qu'à travers ce film, on va plus s'indigner davantage. Et on va quand même se battre justement pour qu'il y ait plus de justice sociale et plus de respect. Parce qu'en voyant ce film et par rapport à tout ce qu'on a vu... en Grèce, on se dit, il est où le droit de l'homme, en fait? Ils sont où les droits de l'homme? Ils sont où le respect de la dignité de la personne, de l'intégrité de la personne? Parce que c'est des hommes intègres qu'on a rencontrés ici, qui ont fui pas mal de choses, qui sont venus en Europe justement pour, par rapport à leur famille. Et là, en dehors de leur situation administrative, c'est des hommes qui sont maltraités, qui vivent dans une extrême précarité. Et ça, je trouve qu'il faut s'indigner davantage pour ces personnes-là, pour plus de respect et plus de justice, tout simplement. On ne demande pas plus. Merci beaucoup. Ben, moi, j'étais dans ma petite chambre. J'étais addict à la fiction parce qu'il n'y avait rien à croire à la réalité. Après avoir étudié 5 années de communication audiovisuelle, les structures de systèmes de communication, théorie de l'image et tout ça. Et du coup, il y a la révolution qui éclate. Et j'ai dû me mettre au service de la réalité pour filmer tout ça, parce qu'en fait, il n'y avait personne qui filmait tout ça autour de moi. Et aussi parce que je pense que, comme moi, la grande majorité du monde voit la vie à travers un écran. Et je pense que maintenant, c'est l'heure que la fiction, les textes, la théorie inspirent la réalité. Et que vous abandonniez cette salle-là et vous sortez à la rue pour protester pour les inégalités du monde et pour que tous les textes qui soient écrits et toutes les théories se respectent d'une fois. Bien sûr qu'on va en parler parce que le film, je vais l'accompagner partout dans toutes les villes de France. Je vais aller à Toulouse, je vais aller à Bordeaux, je vais aller à Montpellier, je vais aller partout. Je vais aller à Marseille et à Paris. Et à chaque fois, je vais faire des comme ça, c'est-à-dire que je vais parler comme ça avec des gens. Donc moi, je ne suis pas le représentant des indignés, Isabelle non plus. Mais par contre, je suis dedans. Je suis vraiment dedans. Donc le film, il ne triche pas. Le film, il ne vend rien. Il montre. Et je pense qu'à travers le film, il y a quelque chose qui va... tous les médias. Mais le film va servir qu'on en parle. Et c'est déjà fait, puisqu'on est déjà là. Parce qu'ici, c'est un festival international, c'est un festival où il y a des caméras, et les caméras nous filment, et ils savent très bien pourquoi ils nous filment. Et donc, c'est déjà un pas. Et je pense qu'il va y en avoir d'autres. Dankeschön. Ein bisschen Deutsch, nicht wahr? Wir wollen abwechseln, eine andere Sprache. Ich möchte nur eins sagen. Ich trage jetzt eine viel schwerere Verantwortung noch. Das Buch an sich ist herumgegangen in der ganzen Welt. Aber man hat nicht gesagt, das Buch hat auch einen direkten Effekt. The answer to that question, it is really the film itself. Because it shows all the uproar, all the outrage, but it also shows the desire of all these people to go ahead. Non-violently. The non-violence is one of the basic messages of my little book, and it is one of the authentic messages of the film that Tony Gatliff has produced. I find that from the beginning to the end in that film, one feels the need for non-violence. And I'm also glad that the name of Jean-Paul Dolly has been put in the film. He has left us. He is no longer alive. But he was a philosopher of non-violent progress in the world.
toujours, moi j'aime la vie et la vie. Hein. Et donc dans mes films, il y a toujours ça. Et dans celui-là encore plus, parce que celui-là, comme il est, il y a pas mal de messages qui sont dangereux. Parce qu'on voit bien ce qu'il y a, quoi. On n'est pas des, on n'est pas dupes. On voit une ville abandonnée en Espagne. On voit le peuple grec qui est complètement en souffrance en ce moment. C'est, on n'est pas dupes, on sent qu'il se passe quelque chose. Mais là où c'est toujours, mes images et la musique rejoignent les paroles de Betty qui dit toujours, mais ça ira, ça ira. Comment quelqu'un qui souffre autant, quelqu'un qui est rejeté partout, peut dire, mais ça ira, ça ira, ça ira. C'est un espoir pour qu'il n'y ait pas de violence, pour qu'il n'y ait pas de guerre, pour qu'il n'y ait pas, que ça ne se déchaîne pas vers quelque chose dont on ne peut pas contrôler. Et le fait qu'elle dise ça ira, c'est un mot que j'ai gardé tout le temps. Elle l'a dit une fois, et après je l'ai répété plusieurs fois, je lui ai dit, ça ira, parce que je lui ai dit, je l'ai aidé pour qu'elle le dise. Et c'est tellement beau pour moi, quelqu'un dans la misère et dans le besoin, qui regarde le monde et qui dit, ça ira, mais ça ira, mais ça ira. Letztes Wort. Nach diesem Film wird mein kleines Buch, es ist schon über 2,5 Millionen verkauft, aber die Leute werden den Film ansehen und da immer wieder drunter steht, Stefan Hessel, un lignez-vous, wird es vielleicht noch mehr verkauft. Aber ich will auch ein anderes Buch anmelden. Und zwar nach diesem kleinen Buch habe ich mit meinem Freund Edgar Morin ein anderes Buch geschrieben. Das heißt Der Weg zur Hoffnung. Und das ist ein Buch, was ich sehr lieb habe. Denn es sagt, alles ist schwer, alles ist schlecht, aber die Hoffnung ist da und die Hoffnung zu einer neuen internationalen Gesellschaft muss mit uns bleiben.